Je pose pour des photos. Ah ouais, tu... Franchement, je pose pas pour des photos. Franchement, quand t'as des bons plans comme ça, tu les gardes pour toi, quoi. Merci. Mais... Moi, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Mais toi, t'es mannequin. Mais je te jure que j'ai pas posé pour des photos. Je te l'aurais dit, ça aurait été trop chouette, c'est mon rêve. Mais t'es sur tous les abris de bus. Comment ça, je suis sur tous les abris de bus? Oui. Oui, il y a une photo de toi sur tous les abris de bus pour les pubs, pour les... Pour les quoi? Pour ton passe. Ah si, je te jure. Mais comment ils ont fait? C'est pas possible, enfin. Attends. On va descendre au prochain arrêt, tu vois. Ouais, il faut que je descende, hein. Attends, Max. Bah, et c'est toi, je t'ai reconnu. Mais non, c'est pas possible, c'est que tu dois avoir un souci. Mais non, c'est... Et j'ai même reconnu la robe que t'as sur la photo. C'est celle que t'avais à la soirée de l'école. Parce que c'est une photo où t'es à moitié tombée. Ah oui, c'est moi. Ah, tu vois? Regarde. Et comment ils ont pu avoir et ma photo? C'est génial cette photo, hein. Mais non, c'est pas génial. Tu culé, t'as vraiment un l'air d'une grosse mère. Et il est mis plus de foot avec ton pâte. Putain, non, franchement, c'est pas payé, quoi. Et vraiment, j'ai fait la photo avec mon smartphone et je l'ai envoyée à toute l'école. De toute façon, tout le monde va le voir, hein, là, franchement, c'est tous les artistes. Et t'es une star. Une star pour ton pâte, super. On a une star pour être à l'école. Oh là là là. Tout le monde rit, hein, parce que franchement, c'est drôle. Oui, c'est drôle, mais je comprends pas comment ma tête est atterrie là. Ma mère est pas au courant, hein. Je vais me faire tuer, hein. Et en plus, j'ai même pas gagné de l'argent pour ça, t'imagines? Si au moins je t'ai payé. Je ne sais pas aller dans une agence pour faire ça. Mais non, je te jure. Où veux-tu qu'ils aient trouvé ta photo? Je ne sais pas. Ça vient d'où cette photo? C'était quand cette soirée? C'est toi, tu te souviens? Non, mais il y a peut-être 4 ans cette soirée-là, moi je ne me souviens plus. Hein. Mais non, c'est toi. Mais allez. Oui, mais ça c'est moi, je me souviens bien de cette horrible robe. Et regarde, derrière où on voit les filles, tu vois Nathalie? Ça va, je vois bien où on est. C'est la soirée chez Jonathan là. C'est une soirée de la télé, quoi. Et je suis tombée sans le faire exprès, j'avais glissé. Mais comment tu quittes ta photo si tu leur as pas donné? Mais c'est pas Ben, non, ou alors c'est du groupe. Elle est où? Elle était où cette Sur Facebook. C'est possible? Tu crois qu'ils auraient été chercher la photo sur Facebook? Mais qui? Et le temps passe. Enfin, les mecs. Les mecs. Mais non, c'est pas possible parce que c'est ta photo, c'est pas la photo de Facebook. Ben oui, non, c'est bien ce que je crois. Il faut qu'on se renseigne, je sais pas moi. Mon oncle est avocat, je vais un peu aller lui demander, quoi. Je commence à paniquer, franchement, parce que... Attends. Au moins, si je t'ai payé... Attends, j'appelle. Attends. Mais Nicolas, il est super balèze en Internet, tout ça, je vais poser la question ou quoi? Ouais, Nico, c'est moi, ça va? Ouais. Ouais, trop cool. Ouais. Non, attends, je t'appelle parce que tu vois, il y a une photo ici. Est-ce que quand... si je mets une photo sur Facebook, c'est ma photo? Quoi, les conditions d'utilisation? Mais personne ne dit ça, c'est bon quoi. J'ai accepté sans lire. Quoi? Ah ouais. Je suis pas mal faite quand même. Ah bah mince. Attends, ouais, ok, ça va, merci, ça va Nico, ciao. J'entends. Il paraît qu'il est mis dans les conditions d'utilisation. Ben oui, mais j'ai pas lu. Personne ne les lit quoi. Tout ce que tu mets sur Facebook, ça marche. J'ai accepté quoi. Ils peuvent les prendre et les vendre. Les vendre? Ah oui, donc en plus ils se sont fait du fric sur mon dos, les méchants. Parce qu'il faut que j'arrête de dire des gros mots. Ouais, bah, ouais, surtout maintenant que t'es peut-être. Maintenant que je suis connue, bon, je vais. Tu sais, voilà, je suis connue, quoi. C'est quand t'es une carrière, là. Il y a peut-être un truc. Mais tu peux pas faire pire que les tampons. Les protège-les. Ouais, c'est pire, quoi. Non, le truc le pire, c'est les gens. Les préservatifs? Non, le pire, c'est les gens qui font les pubs pour les dentiers. Ah oui, toi, tu pourrais. Je vois pas ce que tu veux dire. Ben, toi, j'ai peut-être photo de toi avec des. Quand tu vois, quand t'avais ton appareil dentaire il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Quand t'étais en deuxième F. Écoute, voilà, mais Nico, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Non, bah c'est bon, ok, ça, j'ai remonté dans le bus maintenant. Ah, bonjour. Ah, un autographe, oui, merci. Voilà, c'est déjà mon coup. Un autographe, oui. Tu vois, la gloire commence. T'es pas contente d'être avec une. Quelqu'un de connu? Ouais, franchement. Bof. C'est bien, elle t'en passe. Ce serait bien si tu faisais la pub avec Georges Clooney. Ah oui. Ça, c'est cool. Ouais, mais bon, je parle pas bien anglais. Il met pas de tampon, mon ami. Il n'a pas de tampon. Bon, ouais, bah, allez, tout à l'heure, hein. Ouais, tantôt.